Allô? Allô? Ok. Allez, c'est parti pour la suite de Chrono Cross. Alors, je suis revenu au Fort Dragonia, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Comme il n'y a plus de mobs, je me suis dit que c'était pas intéressant de le montrer. Du coup, pour aller là où vous voulez aller, là où je pense qu'il faut utiliser un œuf. Voilà, j'ai juste pas fait ça. Descendre. Il y avait des coffres avec des sorts et des machins, donc du coup j'ai tout pris. Et donc effectivement ça marche ici. Donc hop, l'œuf, lui il est où? Il est où déjà? Gros œuf. Ah! Un petit dragon dans un œuf qui est où il y avait un dodo. Hein. Bonjour! Pas trop, non. Dragon. Quelle couleur du coup? Rouge. Oui, bon. Assez évident en fait. Il a pas mal de PV, il a une bonne force. Magie. C'est décent, on va dire. Il a une bonne résistance physique. Ouais, pareil, c'est moyen. Par contre, l'agilité, zéro. Hey! J'en ai besoin moi de l'ascenseur. Ok, on va pouvoir faire la suite. Parce que bon, là c'est vraiment pour retourner au bateau. Embarqué! Ah, et aussi, du coup, ici les différentes colonnes de lumière. Je crois que on était déjà venu normalement. Les différentes colonnes de lumière servent à refaire à faire des combats dans des zones où on n'a plus accès, genre la mer morte. J'en ai profité pour utiliser mes pièges, les différents pièges de sort que j'ai, les différents pièges de magie. J'avais piège pour chute libre, j'avais un piège pour volcan. J'en ai profité pour aller faire des combats là pour les récupérer. Parce que c'est quand même des sorts de assez haut level. Notamment sur les espèces de fantômes en robe rouge. Accélère, hein, c'est juste la même animation à chaque fois. Voilà. Donc, on va pouvoir avancer. La vallée des fossiles. Bagarre.
C'est pas, ça fait pas si mal que ça. Je voudrais voir d'abord son noir. Et ben séisme. J'ai envie de voir ce que ça fait le nouveau sort de... que j'ai mis sur sur le vieux. Ah merde. Ça lui a pas donné assez. Voilà. Ah mais ils en veulent au vieux hein. Le vieux, je sais pas ce qu'il leur a fait, mais ils sont vénères. Hein. Je vais donner Tornade. C'est un des sorts que, c'est un sort que j'ai récupéré dans, dans Dragonia. Ça te rend tout. C'est honnête. C'est honnête pour qu'elle, sur quel est son ennemi qui n'a pas fait de la faiblesse. Ok. Enculé ! Salaud ! Oh, pff, la flemme. Et là, j'ai envie d'avancer. Normalement, c'était là qu'on avait trouvé le crâne du squelette. Tiens, d'ailleurs, faudra que je pense à aller chercher le morceau qui est dans la forêt. Celui que j'ai loupé pour toi hein. Du coup en bas il y avait l'œuf mais du coup bah il n'aurait pu y avoir grand chose. Je voulais juste être sûr. Non j'ai pas envie là. Là oh, pff, non. Bon allez, on va dire que eux on les a pas fait. Allez, un petit chat sauvage. Ouais non, là-haut il y avait plus rien. Il y a juste un bob. Il y a juste une espèce de d'ombre au chat là. J'ai bien envie d'aller là d'abord pour aller chercher le morceau squelette du squelette que il me manque. Ouais non, c'est le donjon a pas changé ici par contre. Parce que du coup, oui, je l'avais déjà dit, j'avais vu un pote du coup faire cette partie. Parce qu'il avait pris, il avait choisi de, il avait pas choisi Guile comme j'avais fait moi. Du coup, il était passé par là.
Voilà. Bon, du coup, là, on va pouvoir se casser, on va se casser parce que bon, je pense pas que ça soit très intéressant de rester là. Parce que ça, c'est juste un chemin alternatif pour aller au manoir, du coup. Les coffres, du coup, c'est des vieux coffres, donc du coup, parce que ce coup, c'est un sort de début de jeu. Donc, l'intérêt de les prendre et de faire des combats pour ça, bon. Ok. Donc, Tormina. C'est moi ou ça, il y a quelque chose qui a changé. Ouais, attends, il y a des militaires partout. Non, je voulais voir un truc. Est-ce que la forge, la forge de qu'on peut utiliser partout, a évolué? Oui. Ah oui, donc heureusement je regarde. Hein. Ensuite, Arles. Ah, il me faut des billes. Ah, merde. Je vais équiper l'arme de serre. Je passe de 48 à 52 quand même. Le magasin, est-ce qu'il a évolué? Salut? Non, rien de neuf. Ah, j'ai pas l'impression du moins. Ah bah tiens, j'y pense. Est-ce que ça servirait pas d'aller voir les personnages avec leurs homologues de l'autre monde? Merde, j'aurais pu aller au point de sauvegarde, c'est pas grave. Téléporteur. On va switcher pendant 10 minutes. Du coup, alors le vieux normalement, je crois que c'est le celui et je vais aller juste aller revoir les différents personnages avec leurs homologues. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas. Forgeron. Après le forgeron, je sais pas si ça sera vraiment utile. Ce qui me demandait la conque arc-en-ciel. C'est tout? Il dit rien de spécial? Non, d'accord. Ah, ça valait le coup. Ah bah, t'es là, toi.
D'accord. Ok. Petite scénette, mais ça servait à rien. Ah bah t'es là toi. D'accord. Alors lui j'ai l'impression qu'il... Tant qu'il a quelque chose à en tirer... Pardon. Ah ça a pris d'un coup comme ça. Accélération. Ok. On va prendre notre team et puis on va fouiller un peu plus la ville. Avec le vieux. Je sais pas ce qui peut me manquer par contre pour le squelette. Je joue bien partout pour être sûr. Salut.
Ah bah ça. Avec la loi martiale ou je ne sais quoi. Tu m'étonnes que t'as envie de te barrer. Sur la, il y a la tombe, mais sinon après je crois que c'est tout. Il n'y avait pas la sirène là. Ah. Bon, on va essayer une dernière fois. On va juste remplacer le vieux. C'était la sirène qu'il y avait dans... Non? Bon d'accord. Eu? Go fast. Non. Non. Bon. Tant pis. Et reste que le bar, sinon je sais pas où faut aller. Ah, ça serait la suite. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, mais c'est vous. Toujours marrer le fait qu'il parle tellement en caps lock, t'as l'impression qu'il gueule en permanence. Ah, ils savent qui je suis. Hey! Te barre pas avec Kid, salopard! Les éclats qui brillent. Il a quand même pas défoncé la flamme gelée.
Éclat de haine. Karch. Karch est le plus stylé. Tu vois, puis on va le prendre dans l'équipe, tiens. Tant qu'à faire. Et pour un perso physique, il a... Il a pas énormément de, il a pas énormément de points de vie, Karch. Je vais lui mettre les mêmes sorts que... Que le vieux. Ah, tout ôté. Ah, fait chier. Bon. Ah. Tac. Tornade, on va le mettre au bout, histoire que ça fasse très mal. Ça c'est du bleu. Alors d'abord. D'abord les soins. Tac tac tac. Soin ça va être soin de groupe. Voilà. Ok. Dans le doute. Ah, c'est quoi ces compétences uniques, tiens? Achèvement. Tous les. Ah, c'est un AOE. C'est très cool. C'est très cool que ce soit une AOE. Et sa première, c'est une mienne aussi. Ok. Donc il a les deux soins, il a la raise. Du coup, on va faire attaque en premier. Hop. Vu que... Voilà. niveau 4. On va au moins en mettre une de chaque niveau. Étuve. Non, ça, mais c'est pour les bleus innés. Jamais du rouge, mais du coup... Dégage toi. Je sais pas trop quoi mettre en dernier. Écoute. Vas-y, un deuxième rouge. Voilà, comme ça, il est quand même équipé. Il a quoi en équipement? Non. Mithril. Bon. Ça fera l'affaire pour le moment. Je vais lui mettre de l'esquive. Juste par vert, vas-y, hop. Ok. Bam, bam, bam. Ah, Norris.
Ah, il y a quand même une petite ligne de dialogue par rapport au fait que j'ai Kerch dans l'équipe. Hein. Le jeu a tellement la tendance à ne pas mettre ce genre de détails. Borxy. On va faire le tour un peu vite fait. Voir si ça peut être intéressant. Non, il parle toujours des 4 devas, mais j'en connais que 3. À moins que le général compte dedans. Je pense pas que Len en fasse partie. C'est ce pouvoir rentrer dans ce truc, ça ne sert à rien. Ah, il y a un truc que je voulais voir. Parce que du coup, alors le coffre doit être naze maintenant, mais. Ah non, on peut pas passer. Putain de... On se casse. Allez, dégage. Je voulais voir si on pouvait aller choper le coffre, mais bon. Apparemment, le jeu ne veut pas. Quoi? Oh non, mais merde! Oh non, ça va me faire chier. Pourquoi vous me cassez les couilles à chaque fois? Putain, c'est un sport? Voilà, déjà tu me prenais dans le mouille. Putain de merde, mais juste pour me faire chier jusqu'au bout. On dit qu'on revient plus jamais dans les égouts. Ouais, on fait ça, hein. Ah non, mais là. Ouais, alors là par contre je fuis. Là y a personne. Pas me prendre la tête. Bordel de merde. Je voulais voir si on pouvait le prendre le coffre. Allez, vas-y, va te faire foutre. Ah, ils ont capturé la waifu. Comment vous voulez qu'elle sache, elle n'était pas là? C'est...
Une machine à tuer. Alors, ça a l'air d'être une espèce de robot. Le cuisinier infernal. Oula. Du coup. What? Oui, merci. On accélère, hein. Salut! Au rez-de-chaussée. Très bien. Ah, je cliquais un peu au pif. En me disant, il y a peut-être des trucs cachés, puis. Hey, mais dis donc, je connais ça! Salut! Ah, c'est un cadre, d'accord. Ah, et si je veux renommer mes persos, je peux venir le voir, d'accord. Bon, ça sert à rien, mais écoute. Enfin, rien d'utile, du moins. Mais bon, c'est toujours sympa. Il n'y a pas de coffre en haut, j'ai l'impression. Voilà, oui, bon. S'il n'y a pas de coffre, à mon avis, il doit rien avoir. Ah! Salut. Ok. J'ai pas vraiment que je peux interagir avec ça. Ah, ce serait pas un indice sur le coffre, la salle au trésor. Ça serait bien ça. Hein. Parce qu'on pouvait pas accéder au coffre. Parce que t'avais les statues qui nous jetaient une espèce de souffle ou je ne sais quoi. Ça. Ok. Ça veut toujours pas nous laisser passer. Rez-de-chaussée. Ok. Ah bah te voilà toi.
Oula, il est vénère, Karch. On va falloir passer par les égouts. Ah. On torture pas les waifus. Ça, du coup, c'est ça. C'est ça. Et là, par contre, il y a des mobs. Ah, oui. Oui, j'utilise des exploits. Je peux aller là-haut, mais d'accord. Parce que ça m'amène là, mais en vrai, ça apporte rien. Les barils n'ont pas bougé. Ah. Les barils n'ont pas bougé. Ils ne bougeront jamais. Ah attends, c'est pas là pour choper le coffre du coup. Ah du coup j'ai fait peur au mob. Et du coup il a laissé tomber, il a fait tomber le coffre. Faudrait y penser. Je vais pas aller chercher là parce que bon, ça serait une perte de temps. Et du coup, oui, d'accord. Là-haut, c'est... C'était pour remonter, en fait.
Oui. What? C'est quoi l'intérêt? Mais où je vais là? Oh là là. Oh, je suis complètement rebou là. Oh, je fais n'importe quoi là. J'imagine que j'ai d'autres trucs à faire avec ça. Oh, fallait que je sois rapide, c'est ça? Un truc dans le genre? Ah, moi je pensais qu'il n'y aurait plus de courant tout court en fait. Enfin, pour moi ça n'a aucun sens qu'il y ait du courant en fait. Pour moi ça bloquait tout simplement. D'accord, c'était juste comme ça qu'il fallait passer. Oh, tu parles d'un truc là, con. Bon, là on va les péter, on va leur péter la gueule parce que là, je doute que je puisse les esquiver. Ah, ça commence. Alors, vous le dites si je vous emmerde, hein. Achèvement. On va faire un petit heal parce que Karch il en a quand même pris dans la gueule. Tout ça, ils sont nombreux, c'est con. Allez, chute libre.
plein de bleu vif. Je sais pas trop à quoi ça servirait. Je vais l'ouvrir, mais bon. Ok, d'accord. Ça ne servait à rien. Quand je suis pas passé de ce côté, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je suis obligé de passer par là. Ah, d'accord. Oui, alors des bleus vifs, j'en ai pu savoir qu'en foutre. Hein. Ah! Ah oui, donc du coup j'ai bien fait. Je suis pas fan des donjons qui ont des passages uniques. Quand tu peux le faire les prendre que dans un sens. Ouf! What is this shit? Ah non, mais j'aime pas les insectes. Oh, bordel de merde. Bon, j'accélère parce que ça prend trop longtemps. Alors, il a... j'ai vu des œufs. Je sens qu'il va nous les balancer à la gueule. Alors, il est bleu. Mais pour une fois qu'on se tape pas un boss blanc, moi je dis pas non. Mais j'ai pas de sort rouge avec ses lynx. Donc je vais garder pour faire le balancer la chute libre high level. Je crois que c'est Karch qui a du sort rouge. Ouf. Ça pique hein. Mais t'es pas obligé de spammer par contre. Il est mort, voilà. Alors, on va faire un truc. D'abord, second souffle. Ensuite, clair de lune. Et après, avec Karch, on fait. On va essayer plutôt. Putain, il fait très mal, hein, quand même. Et on va se soigner avec lui.
Mais t'es nul! Tu tapes dur, mais, t'as pas de vie! Ouf! Oh, le 300! Oui, oui, je crois qu'il est mort, oui! Ok! Oh! Oh! Pff. Ok, il m'a tué Karch, mais. Coup d'hier, d'accord. Ah! Ouais, donc on arrive dans une cellule, d'accord. Oui, j'allais dire la même chose! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Alors, il y a quand même une section qu'on n'a pas regardée. Celle de gauche. Alors, par contre, il va falloir un point de sauvegarde, hein, parce que s'il y a des boss. Alors, je sais pas pourquoi il y a un garde dans une cellule. Ah, mais du coup, ils ont ouvert. Ok. Ah, bon bah. Il n'y avait qu'à demander. Ok. Bon. Ah, par contre, je sens qu'on va se taper un boss et qu'il va être moins sympa que l'autre bestiole. Bon, comme j'ai dit, on touche pas la waifu. Bayard. Bon, cette fois on refait pas la connerie, on va mettre le shield tout de suite. Voilà, il attaque. Ouf. Ouais, il fait quand même des patates, hein. Clair de lune. Un petit shield pour tout le monde. Bah oui, bon.
pas l'air d'être la magie son point fort. T'es quel élément? Oh bah. Oh bah en plus. Allez vas-y, t'es rouge. Il voit la vie en rouge. Je vais quand même monter la magie de Arl au cas où. Et c'est plus une sécurité au cas où j'ai besoin d'un soin urgent. Chute libre. Bam. Putain, chute libre, ça fait tellement mal. Karch, tu vas te faire un heal mono. Grâce suprême. Colonne de feu. Ah, ça fait déjà un peu plus mal. Pas très mal non plus. On va faire chute libre aussi. En PLS là, hop. Chat sauvage, quand même jouer la sécurité parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Et surtout vu les derniers boss qu'on s'est fait, les grosses patates surprises à base de one shot, on les connaît hein. Hein quoi. Hey, c'est pas parce que je me soigne que tu dois en faire autant. T'en prends plein la tronche et tu te tais. Ah voilà. Il a pas une grosse animation par contre. Ah, Karch, il gagne pas beaucoup de PV lui. Il a un coup de main quoi. Orcha. De toute façon, on a déjà l'autre Norris, donc c'est bon, on n'a pas besoin de deux. Ouais d'accord, mais on doit faire quoi en fait?
quoi on monte du coup. Ah, d'accord. Ah, j'aurais peut-être dû prendre, aller chercher le point de sauvegarde d'abord. Ouais, le Borxy, je le vois, hein. Je vois bien qu'après les soldats, c'est lui qu'on se tape, hein. Je suis pas complètement de B, hein. Te B, yeah. Je pensais pas qu'il fallait rouler en haut, en fait. Faut pas se prendre la tête. Oh, mais merde. Oh, pfff. Effectivement. Bam. Vous êtes pris pour qui là? Ah bah voilà. Borxy est plus fort. Alors je sens que lui par contre il va pas être la même limonade. Dark, ok. Alors, on va quand même se mettre le shield en trio. Et oui, on accélère un peu. Ouf. Quand je vois les patates qu'il me met alors que j'ai placé le shield. Mais c'est trop. Et plus de météorites. Alors ok, car c'est la magie, ça doit pas être son truc. Fulgur au point. I have the reference. Parce que j'ai l'impression que ça baisse mes points de vie max quand j'ai un surplus de points de vie. Quand je fais un... Ouf. Ah, pas de chute libre hein, du coup. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là. Calme-toi. Pas le feu aux poudres. Hé, hey,
Mais c'est quoi ces ennemis, ces boss qui se soignent là? Pas gentil. À la niche. Je fais des grosses patates avec l'axe. Petite surtension là. Par contre, il en a des PV ce saloupio. Eh tiens, tornade. Attaque tornade. Vigueur. Oula, 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 oula. Je sais pas ce que ça fait, mais ça sent pas bon la marée, hein. Ah mais t'as combien de PV toi? Non. Voilà. Ah! Je commence à en voir le bout. Je préfère jouer à la sécurité. Ok, d'accord. C'est pour ça que il fait pas si mal que ça. Parce qu'il peut comboter comme un bâtard. Bon, après, c'est qu'Archar, il fait pas beaucoup de dégâts. Avec Serge, je vais préférer soigner Arles. Oula, 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 oula. Ça, par contre, ça peut piquer. S'il y a un one shot, ça me surprendra pas. Hein. Et bah... il a eu le potentiel pour être plus dangereux. Bon ça va, il a pas été trop chiant. Protecteur, ok. Good. Ah bah ça salpète beaucoup moins, hein. Ah. Trois boss d'affilée, je le sens pas par contre. Ah! Ça, je l'ai pas vu venir. Autant les deux, zigoto, oui, autant lui, non. Bon. Bah, on change pas l'équipe qui gagne. Ouf, ouf. Allez, le shield. Heureusement que j'ai mis de l'esquive à Karch. T'es jaune, ok. C'est-à-dire que je peux te balancer des chutes libres. A pu savoir qu'en foutre. Et encore une fois, forcément... Aïe! Ça pique!
Je me dis que comme il a pas forcément une magie très ouf, Karch, soigner est peut-être plus intéressant. Serge, il fait tellement des. Il faut tellement des grosses patates. Allez tiens, chute libre. Allez, plus c'est lourd, plus ça doit faire mal. Attends, presque 400. Mais attends. Il est encore plus nul que les deux autres. Ah, c'était pas un. D'accord. C'était pas un boss, c'était un gros mob, c'est tout. Un mob random. Ah. Ah, à gauche. Je pensais que ça qu'on allait à droite, mais. Vite! Vite, fuyons! Donc on se le retape une deuxième fois. J'imagine qu'après il va falloir appeler l'escalier et tout ça. C'est pas l'escalier, l'échelle. Oh oh. Ah, pas la même, c'est pas la même là. Ouais, ok, d'accord. C'est, ok, le vrai combat il commence maintenant. Je me disais aussi. Ça aurait été bizarre. Il faut quand même des grosses torgnoles. Karch. Allez, chute libre. C'est là que tu dois tomber. Et là, il tombe. Ouais, non, il a pas de vie. Il a juste pas de vie, en fait. Il tape très dur, mais il a pas de vie du tout. Et merci de me donner des PV, hein, en tout cas. Ok. Une clé débile. Yes. Ah, et on arrive là. Ok.
J'adore le bruit comme si c'était des victimes de jet de d'un jeu rétro. Genre un jeu 8 bits ou un truc dans le genre. Perché, pourquoi? Bon bah on a un cyborg avec nous. Oh nice. Alors, on va faire une sauvegarde parce que là on s'est tapé pas mal de boss. Allô? Oui, merci. On a récupéré notre bateau. Il est là ou il est à l'ermitage, Michelin? Ah, bon bah du coup il doit être à l'ermitage. Comme tout le monde. L'ermitage brûlé. Je viens de penser à un truc. Donc il y a peut-être un truc. Yo, Zoa. Bon bah on a récupéré la demoiselle, la waifu. Pas tout de suite. Yo, gamine. Dans les pluies. Personne d'autre ici, non. Ok, bah on va se reposer alors. Oui, voilà. On se fait attaquer? Ah bah il a réveillé le vieux. Elle était vivante? Non mais je suis pas lynx en fait.
Mon dieu, le Dark Serge! Le daron! Bah, il nous soit sorti d'un sacré pétrin, ouais. Allons parler un peu à tout le monde. Ah bah on a le vieux qui dans l'équipe, ok. Yes, le daron, enfin deux darons pour le coup. Et les deux autres, bah oui. Merci à genre rejoint l'équipe. J'adore le phrasé de ce message de recrutement. Ils auraient dû juste laisser la musique pendant tout le moment de recrutement en fait. C'était un gros morceau de recrutement quand même. Et ben putain, ça fait des persos hein. Ah, elle est blanche, Ophélie. Nice. Bon, forcément orienté magie, hein, évidemment. J'ai bien envie de prendre Fargo, mais je vais attendre de... d'avoir le libre accès à mes trucs. Et je pense, je vais essayer d'aller parler à Fargo avec Fargo. J'ai le droit de dire non.
Bah oui, de toute façon, on n'a pas accès à la suite. Hein. Ah. Du coup, il faut qu'on retrouve notre identité. Ok. J'imagine que c'est un perso aléatoire, parce que là, on n'est clairement pas obligé de l'avoir. Bon, il y a marqué Alustair. C'est moi qui bug. Hein. Alors, j'ai bien envie. Alors, on va faire un truc. Du coup, je vais switcher. Pourquoi j'ai le vieux? Ah, Arlet s'est barré! Arlet est plus là! Non? Bah, faut pas faire ça! Bon, bah. Il a accès à quoi le Michelin? Ah, il peut voler, c'est intéressant ça. Guérison. Non. Je vais pas le mettre là. Pour les soins, c'est bon. Donc, chute libre. Bam, bam, bam. Tac, tac, tac. Ah, une immense bleuinée. Ah, bah oui. Bah oui, j'y avais pas accès avant.
Bon, je pourrais mettre le bras de grenouille, mais non. Plutôt faire ça, ouais. Voilà. C'est pas Arla qui avait la raise. Non. Non, c'était ok. Ok. Plein de sauvegarde. On va aller voir si avoir Fargo dans l'équipe, c'est ce qu'il fallait pour débloquer la situation avec l'autre Fargo. Par contre, on n'a plus Arles. Ouh. C'est très triste. Donc on va juste aller voir ça sur le Zelbes. Si ça débloque quelque chose, on le fait. Sinon, alors soit on le fait et puis du coup j'arrêterai après. Soit j'arrêterai s'il se passe rien. Et je réfléchirai comment je refais l'équipe. Je pense que Fargo, je vais le laisser parce qu'avoir un voleur dans le groupe, ça peut toujours être intéressant. Parce que je pense qu'à partir de maintenant, les boss vont avoir des objets intéressants à voler. Allons voir le bateau. Le Zelbath. Est-ce que confronter Fargo et Fargo, ça change quelque chose? Déjà aller voir Nikki et Mickey s'ils sont de nouveau là. Ah, faut croire que oui. Ou pas. Salut. Ouais, apparemment c'est bien Fargo qu'il faut ramener. Mais ça me surprendrait même pas que ça soit qu'un autre perso soit dit soit possible. Hein. Je réfléchis parce que là du coup j'ai pas de mage, j'ai pas de pur mage. Ah oui, il prend pas des gants, notre Fargo. Hein.
Thank you.
Il est venu le temps de faire la buguerre. Ah, du coup, faut les débloquer les troisièmes attaques spéciales, j'imagine. La bagarre! Et on a la zik en plus. Le pied est intégral. Non, par contre, attends, toutes les 3 secondes, ça me saoulait. Et tu veux. Alors, un de moins. Ça meurt. Écaille. Ah, je pense qu'il faut tous les buter. Hein. Arrête de louper! Ah, ça me saoule! C'est chiant! Ça c'est le truc qui me casse les couilles dans le jeu. J'ai déjà dit, mais... Putain, là! Arrête de louper tes putains d'attaques! C'est le truc pour avoir un truc des attaques à 99% de chance de toucher. Ah non, je loupe! Parce que bite.
J'ai bien envie de tester l'attaque ultime de Fargo. Ah oui, mais j'ai peut-être pas le niveau pour l'utiliser. Tiens, chute libre. Un piège, d'accord. Ah oui, si tu veux, hein. Voilà. Beurre. Bah non, là ça ne sert à rien. Vous êtes nombreux. Est-ce que faut que je les bute tous ou forcément ou est-ce que... Genre elle est là, ça suffit. Non, je pense qu'il faut buter tout le monde. Oula, vous êtes nombreux là. Ta mère. Non. Pourquoi il y a un délai à chaque fois? Il y a un délai pour pouvoir appuyer, c'est chiant. Tiens, on va essayer de le voler. Ouais, on va garder les vols pour les boss. Hein. Nique ta mère. Ouais, viens de battre. Vu qu'apparemment faut que je vous défonce la gueule à tous. Ah oui, direct. Direct le mandal dans ma gueule. Pourquoi 85% ça loupe autant? Ah, ça m'énerve! Je loupe moins des attaques à 40% que des attaques à 80%. Ça n'a aucun putain de sens au jeu. Je pète un câble. Heureusement que je m'arrête juste après parce que... ça m'énerve de louper autant des attaques à 85% de merde. C'est aujourd'hui, ça veut pas.
Ah, meurs. Eux, c'est bon, il reste plus qu'à l'extérieur. Bagarre. Ah, mais les attaques à 85% voire plus qui loupent, ça me saoule. 94%. Comment ça peut louper? Là, j'ai littéralement 9,5% de chance. Enfin, j'ai 9,5% chance sur 10 de toucher. Non, va te faire foutre. Voilà, vous mourrez tous les deux. Et vous me cassez, ils arrêtent de me casser les couilles. Interrompt bien. Après, ils étaient pas obligés de mettre autant de mangrave. C'est quoi ces trucs? Ah, j'ai pas confiance. Ah, yes! J'adore me faire interrompre. Ta mère. Attaque! Ton attaque était à 90 putain de pourcent! Ah, mais juste chiant! Juste à cause de ça, le jeu peut pas être. Quand on me dit, le jeu c'est une masterpiece, ouais, non, juste à cause de ça, ça peut pas l'être. Parce que c'est chiant! C'est juste chiant! Autant de fois tes attaques, mais c'est juste emmerdant. En tout cas, le fait de réussir tes attaques, ça affecte la capacité de pouvoir utiliser des magies. C'est juste chiant. Allez, vas-y, là, loupe des attaques à 80%. Je te dirai rien. Pas comme si c'était à chaque fois en plus. Est-ce que je viens de rater 4 attaques d'affilée qui étaient à putain de 90%? Ouais, c'est bien ce qui vient de passer, hein. Non, mais il est parfait, ce jeu. Ah, on n'a jamais fait mieux depuis. Supérieur à son prédécesseur, tout ça.
Spoiler, non. Jamais. J'ai tellement de trucs à redire sur ce jeu, c'est ouf. Il est pas... C'est pas un jeu de merde, mais... Il a plein de défauts. Et des défauts chiants. Et c'est ça qui me saoule, en fait. C'est on te le vante... tout le monde te le vante tellement comme... genre le Messi. Alors que bah en fait non. Ok, alors en théorie c'est le dernier. Mon dieu, j'ai réussi toutes mes attaques avec Lynx. Putain, ça arrive. Ça existe. Sans déconner quoi. Putain de merde. Allez, on en termine. Éventuellement, il y a peut-être un boss à la fin. Par contre, il n'y a pas de point de sauvegarde, et si on doit se retaper ça à chaque fois, ça va être relou. Ça s'entend. Je peux avoir un point de sauvegarde ou pas? Non. Non, je peux aller me faire foutre. Attends, je sauvegarde avant. Sur un autre fichier, parce qu'il serait capable de dire ah non, t'as loupé ton occasion. What? J'ai plus la zik. What? What? Non! Vous êtes pas sérieux! Fallait le faire d'affilée sans point de sauvegarde! You fucking sh... Tu te fous de ma gueule, le jeu? Tu te fous de ma gueule? Non. Il y a du foutage de gueule.
Faut que je parle à quelqu'un, quelque chose. What? What? Bah. Ouais. Me dis pas que j'ai bloqué la quête. Tu me dis que j'ai bloqué la quête, je te pète ta gueule. Y'a plus personne! Non, mais merde là! Ouais, vas-y, si tu quittes la zone, LOL! Ça serait con que tu veuilles sauvegarder après avoir un boss! Bah ouais, tiens! Eh, hey, tape-toi 50 milliards de mobs et un boss! Bah oui, tiens! Ça serait rigolo! Ah, ou fallait que je te parle à toi? Ouais, d'accord. Ok. Et quoi? Alors je pense qu'il manque des trucs. Grave. Mickey est quelque part, je sais pas où. Rappelons qu'il y a personne sur le bateau. Hein. Allez là. Ah voilà. J'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais peut-être mettre Mickey à la place de Karch. Hein. Parce que Fargo, ouais, il est orienté physique. Hein. Ouais. Alors, ça va me saouler, mais hors stream, je vais refaire le truc et voir s'il y a un boss à la fin. Parce que si j'ai loupé une étoile, ça va me faire chier aussi. Ah, si j'ai loupé une étoile, ça va me saouler. Parce que c'est quand même des stats et... Et ouais, non, quand on voit que certains boss, des fois, ils te roulent dessus. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici. Il y a plus personne! C'est quoi ce bullshit? Ah si, il y en a là. Mais... Calme. Bah ouais. D'accord, j'ai recruté Mickey, mais à part ça,
par contre, ouais. Il y a eu le bruit d'un dragon. Ok, d'accord. Ah mais aussi vous avez pas eu point de sauvegarde ni rien, bande de bâtards aussi. Putain, s'ils ont vraiment pensé le fait qu'il faut se retaper tout à chaque fois, ça va juste être chiant. Je vais aller voir Miniki et, ma... et, tout le... et toute la clique, mais c'est... sinon après... Ah! Non mais surtout que putain ils en ont mis beaucoup trop des mobs. Ouais. Mais du coup, je sens que j'ai loupé un truc d'important. Alors, heureusement, j'ai sauvegardé sur un autre fichier. Ouais, parce qu'il y a personne. Y a une couille dans le pâté. Hein. Je vais sauvegarder, mais et je vais m'arrêter là. Mais je sens que je vais le refaire hors stream. Mais là, je sens qu'il y a une couille. Je sens qu'il y a une couille et que j'ai loupé des trucs. Ok, bah ça, je vais m'arrêter là et je dis à merci à ceux qui sont passés, puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut !